Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et on passe tout de suite à l'œil de Béric, le zap télé de l'émission. Dernière chronique de la saison et pour cette dernière, en présence de Stéphanie Loire y oblige, l'œil de Béric s'est arrêté sur le Star Mix, l'émission interactive de D17, présentée par Stéphanie ici présente. Alors le Star Mix, c'est très simple, c'est une émission de Call TV où des téléspectateurs appellent pour essayer de reconnaître les parties du corps d'une personnalité qui ont été insérées dans un photomontage. Pas seulement du corps, du visage aussi. Du visage, du corps, de la bouche, voilà. Le nez et tout. Vu comme ça paraît pas évident, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On donne des indices aux téléspectateurs pour leur faciliter la tâche. Mais dans le Star Mix, on aide tellement les candidats qu'on se demande parfois si c'est pas plus simple de leur donner la réponse directement. Pour le corps, j'ai des indices. Il s'agit d'une chanteuse américaine qui a interprété Wrecking Ball toute nue et qui a fait forcément polémique et qui était Hannah Montana. Mais il y a très très longtemps, depuis, Hannah Montana s'est bien dévergondée puisque depuis, c'est devenu la reine du twerk. Appelez-moi si vous avez la réponse au 3927. Moi, perso, je ne sais pas qui c'est. Vous l'avez deviné. Vous l'avez deviné, il s'agit bien évidemment de... Miley Cyrus. Bravo. La coquine. Et bien malgré tous ces indices, les candidats arrivent quand même à se planter. On se demande même s'ils font pas exprès parfois. Et à qui penses-tu pour le corps? Je pense à Rihanna. Jennifer Lopez. Lady Gaga. Kim Kardashian. Anne Romanoff. Anne Romanoff. Mais alors en général, il faut savoir que la réponse qui revient le plus souvent, c'est Johnny Hallyday, même quand c'est un corps de femme. Comment ils font, ils sont magnifiques. Le Star Mix, c'est des candidats anonymes qui appellent pour jouer, mais parfois il peut arriver d'avoir des chefs d'État carrément au bout du fil qui veulent jouer avec Stéphane. Bonjour, qui est avec moi? Bonjour. Salut toi. Bonjour, comment t'appelles-tu? Kennedy. Pardon, ton prénom? Kennedy. C'est génial, la classe. JFK dans le Star Mix. Le gars s'est réveillé pour jouer au Star Mix. Il est plus parmi nous, mais. Le Star Mix, c'est aussi l'occasion pour D17 de nous faire découvrir des artistes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en radio et même de voir à la télévision. Continuons en musique avec Wiz Khalifa. C'est une version. Wiz Khalifa, bien sûr, la version orientale de Wiz Khalifa. La version orientale. Ouais. Mais nous aussi, sur Radio VL, on aime bien mettre en avant des artistes. Vous connaissez peut-être le chanteur Mr. Probs. Eh bien, nous aussi, on a notre version de Mr. Probs sur Radio VL. Qu'est-ce qu'on s'écoute d'ailleurs? Monsieur Propre. Oh non, exceptionnel. Monsieur Propre, featuring Canard VC, à retrouver très bientôt sur notre antenne. On passe au mot de la fin, et le mot de la fin, je laisse à Nicolas, qui nous a régalé toute cette saison avec son anglais approximatif. Et une fois de plus, il a carrément réinventé le titre d'une chanson. Merci d'être à notre écoute. On revient tout de suite, on va s'écouter Michael Moore et Ryan Lewis, Can All US. A tout de suite. Et hey, Nico, t'avais fait allemand LV2, toi? Ouais. Non, même pas. C'est ça le problème. Verlan LV1, en fait. Merci beaucoup, Béric, en tout cas. Radio VL. Radio VL.